Et voilà, parti, c'est off for the race, the last race, avec tout de suite un rapide du bois qui a pris l'avantageur. On vient en seconde position avec Ina Detora qui n'est pas loin du tout. On est en troisième position avec Limit du Maine, juste devant Qualité du Maine qui précède Isla Bachef et Imperial Fighter. Let's go, Jacob. The main is taking damage of the officer going across to the next fence. The main is in the lead. Qualité du Maine qui a toujours l'avantage, Rapido du Bois qui vient à sa hauteur. On est en troisième position avec Isla Bachef qui n'est pas loin du tout et qui tente de progresser actuellement. On est là également avec Ina Detora. On ferme la marche du peloton actuellement avec Divine du Maine. On est en avant-dernière position avec Imperial Fighter. Ils sont actuellement bien derrière le bois. Ils vont revenir dans quelques instants et toujours et même aux avant-postes actuellement depuis le début de l'épreuve avec Ina Detora qui va tenter de venir se rapprocher. On est également avec le numéro 2, Isla Bachef. Et puis maintenant, le numéro 4, Qualité du Maine, qui va tenter de revenir. Ils sont dans la diagonale avec son terme, Jacob. They've just got the French Hollandaise and the pace is slightly slow with Qualité du Maine now having a bit of a problem in the forest and in Babalo. And if they jump the brook, it's still slightly refused. And it's Harper Kirk who takes the leader from Imperial Fighter in second. And if you know the main, he wasn't willing to start, has now jumped into third position. As they go through the gear, you hand back to Mayo. Exactement, et les voilà qui eh bien, réapparaissent et vont se diriger vers les pistes extérieures avec Isla Bachef qui a pris l'avantage maintenant alors qu'Imperial Fighter est en seconde position. Divine du Maine est bien calé dans l'ordre. On va tenter également de venir actuellement avec Ina Detora qui n'est pas loin du tout. Divine du Maine est à l'arrière-garde actuellement. Les voilà sur les pistes extérieures actuellement avec toujours Isla Bachef seulement au commandement avec un très léger avantage. Alors on vient maintenant de mettre la pression, trois quarts de longueur à son extérieur avec Imperial Fighter qui n'est pas loin du tout, juste devant Divine du Maine. On ferme la marche du peloton actuellement avec le numéro 3, Ina Detora. Les concurrents qui vont revenir dans quelques instants vers le centre du podrome. Une allure. Appelez l'ambulance. We're calling for an ambulance. Ambulance. L'ambulance est demandée au guet, l'ambulance au guet, merci. Alors les voilà qui réapparaissent avec Divine du Maine qui a toujours l'avantage. Mr. Divine du Maine who's in the front under Charles Clayeux. Could it be a Clayeux conqueror day of the Grand Cross? In second we have Ishar Bethlehem who's been handy throughout. And following up about 20 legs, jumping out in the country is Imperial Fighter with the Weather. And Charles is now a 10-length leader, going back into the back over the officer and back in front of the stands with a 10-length lead, crossing the track now. Back to Mayo. Avec Divine du Maine qui a pris l'avantage maintenant. Et librement, alors qu'Ina Detora est en troisième position, justement Imperial Fighter, ils vont se diriger maintenant vers la lutte avec toujours Divine du Maine qui a librement l'avantage d'une dizaine de longueurs environ, alors qu'on vient en seconde position actuellement avec Ina Detora, Imperial Fighter. Là, on peut les encourager, Jacob. And the classic boots, Prix RV Transport France Sire Pony Cross Country Challenge is being led by Charles Clayeux for the Clayeux family. He's now a 20-length lead. This really is a procession, ladies and gentlemen, with Ishar Bethlehem in second, going on valiantly, and Imperial Fighter bring up the rear in third, and he's just got that haver heading out into the Babalo Forest, where Charles knows so well, being brought up in this area. And here he's coming into the final straight now. Et oui, avec Divine du Maine qui a toujours l'avantage et qui va se diriger maintenant vers la dernière arrêt en tête, assez librement. Il n'a plus qu'à assurer et savoir sa victoire. Vous pouvez l'applaudir. Charles Clayeux, Divine du Maine, dans un Royal Panther ici à Beaumont. Et oui, Charles Clayeux avec Divine du Maine qui s'impose très très facilement. On encourage maintenant Ina Detora qui finit son parcours en deuxième position. Et Imperial Fighter qui va suivre également. Allez, on les applaudit. Et on fait une très très belle journée, une très beau spectacle. Ina Detora est second. Ina Detora qui est en une seconde. Juste devant Imperial Fighter.